Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société qui en est rendu à vous faire une première impression euh, de ce jeu-ci. Euh, donc, euh, le Seigneur des Anneaux, duel pour la terre du milieu euh, de Antoine Bosa, Bruno Catala et de Repose au Repos Production. Je ne sais pas s'il faut dire Repose en anglais ou Repos Production. Un jeu évidemment duel, deux joueurs, euh, 30 minutes, 10 ans et plus. Euh, qui est une mini surprise pour moi en passant, juste pour vous dire. Quand je dis mini surprise, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais c'est passé sous mon radar complètement. J'avais comme pas vraiment entendu parler de ce jeu-là jusqu'à temps que Martin Montreuil m'en parle dans le cadre d'un podcast. Et pouf, tout d'un coup, il est arrivé à la maison parce que on me l'a offert. J'ai dit oui. Euh, Asmodé Canada m'a gracieusement offert une copie. Euh, de ce jeu-là, donc, euh, encore une fois, étant une première impression, euh, et en sachant que je l'ai reçu gratuitement euh, d'Asmodee Canada, ben, prenez euh, ce commentaire-là comme vous le voulez, mais je vais évidemment vous dire ce que je pense vraiment de ce jeu-là. Et vous allez voir, j'ai une vision un peu mitigée de euh, du Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu, euh, qui, est une, euh, qui est une refonte thématique du jeu Seven Wonders Duel, comme vous pouvez voir que j'ai encore... Euh, que j'ai encore avec moi et euh, que j'ai que je dois vous avouer que c'est euh, c'est un des jeux euh, un de mes jeux favoris euh, je pense de tous les temps puis là, je viens de voir je viens de voir en plus que j'ai la version anglaise euh, du jeu mais en fait ça ça change pas vraiment grand chose c'est juste que je voulais regarder euh, ça fait longtemps que j'ai pas euh, que j'ai pas regardé ce <laughs> mon seven wonders duel et euh, je me rends compte que c'était euh, finalement des plus petites cartes les plus petites cartes que, le, que celui qu'on a présentement. Euh, donc, je vais vous dire ce que j'en je, pense. J'ai joué, joué un total, bon, de deux parties. Euh, je veux que vous le sachiez. Euh, J'ai joué donc deux parties de Seven Wonders. Euh, en fait, c'est duel pour les terres du milieu. Euh, évidemment, à deux joueurs, parce qu'il n'y a, a pas de solo. Et, euh, et qu'est-ce que, qu que j'en pense de ce jeu-là, après avoir joué deux fois euh, ben, comme d'habitude, je vais y aller très rapidement avec une présentation, une explication du matériel. Donc, vous voyez, ça, c'est la présentation pas mal de, de tout ce qu'il y a dans le matériel. Donc, le matériel est essentiellement composé, comme vous pouvez voir, euh, de certaines choses, dont ces fameuses cartes-là, qui, comme je viens de, de le remarquer moi-même, ces cartes-là sont plus grandes que les cartes de Seven Wonders. Euh, duel et euh, le jeu va venir aussi avec des jetons pour représenter les pièces d'or va avoir, va avoir également des euh, euh, des jetons de bois ici pour représenter les différentes troupes parce que dans ce jeu là évidemment étant donné que c'est la thème du Seigneur des Anneaux euh, c'est euh, l'armée la, le, euh, de Sauron contre l'armée dans le fond euh, de la communauté de l'anneau qui est représentée par euh, ça ici donc on a des tours et on a également des soldats euh, le jeu va venir également avec des tuiles. Alors, euh, sept tuiles exactement. Et euh, avec un plateau euh, de jeu qui représente la Terre du milieu. Il va y avoir, là, si je vous montre ça juste un tout petit peu, ici, là, puis je vais essayer de vous dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc, le jeu va également venir avec des, euh, des jetons que vous voyez en haut. Donc, les jetons qui vont imiter grandement les jetons de technologie qu'il y avait dans Seven Wonders euh, Duel. Et un élément qui est un peu différent, c'est qu'il va venir avec. Un petit plateau de carton ici sur lequel on va déposer, euh, on va déposer vous voyez, c'est un petit un, un plateau de carton qu'on va arranger, qu'on va, qu va assembler. Et ensuite de ça, on va placer ça par-dessus ici, euh, comme ça. Et, et on, a, on a ici les, les cavaliers euh, du Mordor, on pourrait dire, qui sont à la, à la recherche de l'anneau. Et on va les placer là. Et dans le fond, c'est ici, on a Sam et on a euh, Frodon. Qui vont avancer tranquillement pas vite avec l'aide de ces cartes-là. Donc là, j'ai une carte du de, de, de chapitre 3 ici qui permet d'avancer trois. Le but d'eux autres, c'est de se rendre jusqu'au bout. Ou si, si vous jouez le Mordor, le but c'est d'avancer pour rattraper Frodon. <coughs> Et rattraper Sam. Bon, excusez-moi pour le petit tout. Donc, ça, c'est une façon de gagner de façon immédiate. Sinon, vous avez. La deuxième façon de gagner immédiatement, c'est de contrôler tous les territoires. Donc, quand on dit contrôler, c'est d'avoir soit. Excusez-moi. C'est soit d'avoir une tour ici ou d'avoir des troupes dans chacune des sept régions qu'il y a sur le plateau. D'ailleurs, pour avoir des tours, il faut se procurer ces fameux. La dernière façon, il faut que j'arrête la caméra parce que la toux est en train de m'envahir. Et la dernière façon, c'est de contrôler, dans le fond, l'ensemble. Euh, des six euh, peuples euh, de la terre du milieu. Donc, d'avoir une carte qui représente, euh, le, dans le fond, l'alliance qu'on a avec les six. Comme là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Si j'allais chercher euh, le sixième, ce serait celui-ci. Alors, si je réussis à n'importe quel moment d'avoir les six cartes vertes, euh, c'est une victoire également qui est totalement automatique. Euh, donc, pour ce qui est du matériel, je vous dirais que. Je ne sais pas combien il le jeu exactement. Moi, je il me semble qu'il est une cinquantaine de dollars. Peut-être que je me trompe un peu, mais euh, au niveau de la qualité du matériel, c'est quand même pas si mal. Et euh, les éléments artistiques que vous voyez là, ce sont des éléments artistiques qui viennent de, euh, de Vincent. Donc, c'est Vincent Dutray qui a fait l'artistique et ça fonctionne quand même relativement bien. Euh, avec le, le, avec les, 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 les cartes qui sont là, qui représentent, je pense, très bien. Euh, la guerre qui peut avoir dans, dans les euh, dans les terres du milieu et, euh, et on voit vraiment que c'est de l'artistique qui est pour une fois et ça j'apprécie beaucoup c'est quelque chose qui est unique donc c'est Vincent Dutré qui les a fait et on voit son son son, 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 son sa, sa petite touche personnelle qui est là et pour moi de mon côté euh, j'ai quand même été très surpris par euh, la quantité d'éléments qu'il y a donc artistiques et la beauté de ces fameuses cartes-là, euh, en ayant en tête qu'il euh, y a quand même un thème qui va passer à travers tout ça. Fait en général, au niveau du matériel, euh, ça va bien. Et d'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais il y a également un petit terraformage dans, le, euh, dans la boîte pour ranger vos affaires. bon C'est un très petit terraformage. Et ils ont quand même, je pense, eu une certaine vision environnementale, mais. Je trouve que la boîte, elle est. Bon, là, ça, c'est évidemment où on est dans les premières impressions. Je trouve que la boîte est légèrement. Elle euh, n'est pas de superbe qualité par rapport à la boîte de Seven Wonders Duel, qui, qui est comme une boîte qui, qui, qui est solide. Et je n'ai pas l'impression que j'ai un produit ultra de luxe, mais je pense vraiment que c'est pour une raison environnementale que la boîte semble être un petit peu plus. Elle semble moins solide. Mais ils ont quand même. Eu l'intelligence de mettre sur le côté ici les placements des cartes euh, pour les chapitres 1, chapitre 2 et chapitre 3. Mais euh, pour ce qui est du donc du, du côté euh, du matériel, pour moi, ça me va très, très bien. OK. Pour ce qui est de la jouabilité, écoutez, si vous avez joué à Seven Wonders Duel, c'est pas mal la même affaire. OK? On va avoir trois chapitres. Dans ces trois chapitres-là, on va placer les cartes. Euh, selon, selon un positionnement prédéterminé pour le chapitre 1, 2, 3. Donc chapitre 1, c'est une pyramide, chapitre 2, c'est une, une pyramide inversée, chapitre 3, c'est une forme un peu spéciale. Et on va donc avoir des cartes, faces cachée, des cartes face visible. Et à notre tour, dans le fond, on va avoir deux choix. Soit on prend une carte visible, accessible, pour la mettre dans notre tableau, pour accumuler des symboles, accumuler des, euh, des éléments, pour mettre des troupes sur, sur la carte. Euh, où on va défausser la carte pour ramasser des pièces d'or. Et la deuxième chose qu'on peut faire, la deuxième action, c'est d'aller prendre ces fameuses tuiles-là euh, afin de placer des tours. Et euh, ces tuiles-là, ils ont le coût qui est inscrit sur la, sur la tuile qui est là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu qui est excessivement simple. Et si vous avez déjà joué à Seven Wonders Duel, je suis pas mal sûr que si vous écoutez cette vidéo-là, vous l'avez déjà fait. Mais le jeu est très identique alors qu'on a ici, par exemple. Si je deviens, ça c'est une carte du chapitre 1, alors si, je ne sais pas si ici, ça va bien sortir, là. ça ne sortira pas bien parce que c'est vert. Mais si je prends cette carte-là, euh, cette carte-là, ici, elle a un symbole. Alors, si j'ai le symbole euh, qui sont représentés par les cartes grises, si j'ai le symbole dans mon plateau, euh, sur mon plateau personnel, sur ma. Euh, donc, dans, dans, dans l'endroit où je tiens mes cartes, alors je vais pouvoir prendre cette carte-là gratuitement. Si je ne l'ai pas, bien, ça va me coûter une pièce d'or par symbole qu'il n'y a pas. Sur cette carte-là. Voyez-vous, ça ici, c'est une, une carte chapitre 3. On a quatre symboles. Donc, si j'ai les quatre symboles, euh, je vais pouvoir prendre la carte gratuitement. Sinon, il faut que je paye une pièce d'or par carte, par symbole qui n'est pas là. Et en plus de ça, ce qui est encore plus cool, c'est que si je prends par exemple cette carte-là, il y a un petit symbole de fer à cheval. Et si à n'importe quel moment, j'essaie de voir si je suis capable de trouver euh, la fer à cheval, donc euh, ça, c'est lors de la, du chapitre 2, mais voyez-vous, ici, il y a le petit euh, fer à cheval ou des, euh, des icônes. Mais si dans, le, dans un tour précédent, j'ai pris le fer à cheval, je peux prendre gratuitement la carte qui est là. C'est la même chose que dans Seven Wonders euh, duel. C'est le même fonctionnement, c'est les mêmes affaires. La seule différence, évidemment, c'est qu'on a utilisé le concept du, euh, du thème. Comme par exemple les cartes de Golem ici, c'est des cartes où on va avancer. Sur la piste qui est ici, dépendamment de qui va prendre la carte, comme le celle-là on avance de 3, puis voyez-vous ici, j'avance de 1, de 2, bon, peu importe. Et on a, ici, on a aussi des petits icônes euh, sur ces cartes-là. Euh, si j'ai des cartes euh, avec, par exemple, les cartes rouges, alors les cartes rouges me permettent de, me, vont me permettre de mettre des troupes. Comme là, ici, celle-là, ça me permet de mettre une troupe. Et je peux mettre la troupe soit dans la région euh, bleue qui est là, ou dans la région verte. Alors, la région bleue, elle est ici. La région... Euh, c'est pas la région verte, en fait, c'est la région mauve qui est là. Alors, je peux décider de mettre une troupe là ou là. Et si, par exemple, c'est Sauron qui met une troupe ici, bien, aussitôt qu'on a deux membres euh, de couleurs différentes, bien, ils vont se faire une attaque, pour on, on les enlève, OK? Donc, c'est comme si tous les deux, ils s'entretuaient. C'est une, une façon très simple de faire une, une, genre, de, euh, une genre de guerre. Euh, on a aussi des cartes qui permettent de bouger des troupes donc ça c'est les flèches c'est pour ça qu'il y a également des flèches sur la carte qui est là euh, on a ce, les fameuses cartes vertes comme je vous dis c'est une des conditions de victoire mais c'est à tout moment je prends deux cartes vertes euh, identiques alors par exemple ici si j'avais eu ces deux cartes vertes là mais aussitôt je prends les deux jetons du dessus je les regarde, j'en conserve une et c'est ça. Ça va me donner donc un pouvoir pour le restant de la partie. OK? Donc, euh, c'est quand même un, un élément qui est très intéressant. On a également des cartes qui vont euh, nous donner de l'argent, mais c'est un jeu qui est excessivement, excessivement simple. Voilà, c'est un peu comme ça la jouabilité. Alors, est-ce que j'aime ce jeu-là? Euh, je vais être honnête avec vous, puis je vais vous dire un gros oui retentissant. C'est Seven Wonders Duel avec le thème du Seigneur des Anneaux. Okay? Donc, est-ce que j'aime ce jeu-là? Oui, totalement. Okay? De A à Z, euh, ce jeu-là, j'ai je, joué, mais les deux parties que j'ai jouées avec Hélène, j'avais vraiment l'impression que c'était le Mordor contre la communauté de l'anneau. Pour moi, ça fonctionne bien. Le concept aussi euh, d'essayer d'avoir des alliés, euh, des alliés, euh, des différents peuples de, 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 la, de la terre du milieu. Euh, puis le fait que si on en a deux, deux cartes de la même couleur, bien, on, on finit par euh, donc aller chercher des jetons. Euh, ça, c'est ex, excessivement, excessivement bien également. Euh, est-ce que j'ai eu du fun avec ce jeu-là? Oui. Puis là, pourquoi est-ce que j'hésite? C'est que là, je me pose la question. Bon, moi, j'ai reçu le jeu d'Azmande Canada. Je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Je ne suis pas un fan fini du Seigneur des Anneaux, mais j'apprécie beaucoup. Seven Wonders Duel, c'était un jeu qui était basé sur une civilisation, sur le développement d'une civilisation. Et ça, le concept était quand même très bien. Okay? Et vraiment, là, le jeu était exceptionnel. D'ailleurs, c'est. Un des jeux du, qui, qui est tombé, qui va pas le dans le temps de la renommée euh, de, de l'autre côté du plateau. Euh, C'est un jeu qui est vraiment, vraiment, qui était très bon. Et thématiquement, ça fonctionnait bien. Parce que si, par exemple, j'avais une carte de poterie, bien, ça pouvait me débloquer quelque chose d'autre dans une avancée technologique dans un air plus tard. Et le côté thématique passait quand même très, très bien. Fait que là, ma seule question là, que j'ai présentement, puis pourquoi je veux... Vous amenez là, c'est si vous avez Seven Wonders Duel, est-ce que vous avez besoin euh, de Seven Wonders? Euh, en fait, en fait c'est pas Seven Wonders, mais c'est Duel pour la Terre du Milieu. Puis, ben, ma réponse concrète, c'est non. Ok, ma réponse concrète totale, là, je veux dire, admettons là, concrètement Seven Wonders Duel, puis Duel pour la Terre du Milieu, le, le jeu il est identique, sauf pour certains éléments. Thématique au Seigneur des Anneaux. Mais essentiellement, le jeu est le même. Même les pyramides sont les mêmes. On, cha on change même pas la façon de, de créer les pyramides. Fait que si, admettons, le Seigneur des Anneaux, c'est pas pour vous euh, un enjeu, euh, puis que vous avez Seven Wonders Duel, honnêtement, ne tombez pas dans le hype de prendre celui-là parce que c'est pas mal la même affaire. Par contre, ça reste la même affaire et donc un excellent jeu. Euh, autre élément que moi je trouve un petit peu bizarre, c'est que c'est sûr qu'au niveau thématique, ça marche bien. On, on sent vraiment la guerre euh, sur, le, sur le plateau, on sent vraiment le mouvement sur, euh, de Frodon et, et des cavaliers, puis le fait aussi d'aller chercher les chercher les, euh, euh, le, 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 les alliés, tout ça. Thématiquement, ça fonctionne très bien. La seule affaire, c'est quand je prends la carte de Frodon, là. Okay, cette carte-là, il y a un petit symbole ici. C'est un symbole de cheval. Il n'y a aucune connexion thématique avec... Euh, Ce n'est pas, pas aussi évident thématiquement que Seven Wonders Duel. Fait que là, je vais juste imaginer les designers qui doivent... Ça, c'est vraiment une raison thématique. Hein? Pourquoi est-ce que Fredon, pas Fredon, mais la, cette, cette carte-là a, un petit, euh, a un, un, un petit cheval? Ici, on a un pack sac Ici, on a, on a un sac à dos. Ici, on a du poisson. Bon, oui, le poisson, ça a rapport avec Golem. Mais euh, comprenez-vous pourquoi le poisson fait en sorte que l'autre carte bleue de l'ère suivante, je l'avoir gratuitement. Thématiquement, ça ne fonctionne pas. C'est du neck-picking. Vraiment, là, c'est du. Ce que je vous dis là, c'est que moi, j'ai pas senti la même connexion thématique que dans Seven Wonders Duel. Si je fais une comparaison totale. Okay? Par contre, le fait d'acheter c'est euh, ces tuiles-là, pour mettre des taux, des taux qui sont importants parce que ça nous permet d'avoir une présence permanente dans un lieu pour pouvoir avoir justement une présence partout sur le plateau. Ça, c'est vraiment cool, c'est bien fait. Euh, donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas Seven Wonders Duel, je pense encore que le meilleur, c'est Seven Wonders Duel. Okay? Je pense que l'original, c'est vraiment le meilleur, puis je vous conseille fortement. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, c'est un excellent. Excellent jeu qui utilise le système de duel. Okay? C'est un excellent jeu. Est-ce que vous avez. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les deux? Absolument pas. Euh, je ne pense pas qu'il y a assez de différence dans Le Seigneur des Anneaux pour dire que vous devez absolument courir pour vous l'acheter. n'est pas que vous allez être déçu, au contraire, comme moi, vous allez trouver ça vraiment bien, mais honnêtement, sans face, il n'y a pas tant de choses différentes que ça. Et la connexion thématique des cartes, je trouve qu'elle est meilleure dans Seven Wonders Duel. Mais pour ce qui est du reste, c'est des jeux qui sont comparables. Donc, moi, je vais y donner un, un pouce en l'air. Je ne donnerai pas mes deux pouces en l'air parce que ça reste quand même un excellent jeu. Mais c'est un excellent jeu qui émette beaucoup. Euh, évidemment, sans se cacher, hein, parce que je vous rappelle que c'est écrit dans, sur la boîte ici, en haut, hein, c'est écrit euh, « euh, Ce jeu est basé sur le système de jeu de Seven Wonders Duel. » Fait que, tu sais, il ne s'en cache pas, là. Je pense que ce jeu-là a été fait pour les amoureux de, du Seigneur des Anneaux. Et si vous aimez Seigneur des Anneaux, c'est un excellent jeu qui utilise Duel. Mais sinon, si vous avez déjà Seven Wonders Duel, je pense que c'est le meilleur. Et si vous n'avez ni un ni l'autre, vous ne vous tromperez pas avec n'importe quel des deux. Mais mon préféré reste Seven Wonders Duel. J'espère avoir fait du sens. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. De ce que je viens de vous dire. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de regarder euh, cette vidéo. Je m'excuse pour les petits bibips de mon Discord que j'ai oublié d'éteindre avant de commencer la vidéo. La flèche, te regarde. Ça doit être toi qui dois être en train d'écrire plein de choses sur le Discord. Alors justement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord, vous. Vous avez des preuves qu'on écrit dessus. Allez faire un petit tour également chez mon commentaire, boutique de jeux La Pioche, au www.boutiqueLapioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. un gros tout le monde.